English lessons for beginners. Hello. How do you do? How are you? Hi. What are you doing? What are you doing? Ah, difficile de savoir au départ comment se présenter. Eh bien, nous allons voir dans cette leçon d'introduction la manière de se présenter en fonction des circonstances. Vous verrez que selon que vous connaissez quelqu'un ou que vous ne le connaissez pas du tout, il y a donc une manière de se présenter qui est forcément différente. Il y a le côté familier et puis il y a le côté poli, officiel. Suivez-moi, je vais vous expliquer. To introduce oneself. En réalité, lorsque vous vous présentez à quelqu'un, deux solutions existent. Soit vous connaissez la personne, soit vous ne la connaissez pas. Si vous ne connaissez pas la personne, eh bien, pour la première fois, lorsque vous la rencontrerez, vous pourrez dire « How do you do ?» Comme je l'ai fait sur mes vidéos, ne sachant pas si nous nous sommes déjà rencontrés, soit lors des cours, soit s'il s'agit de la première visite que vous faites sur le site, eh bien, j'emploie la forme « How do you do ?» Et vous, en face, vous devriez répondre « How do you do ?» par politesse. Si maintenant, nous nous connaissions, si nous avions déjà eu l'occasion de discuter, de nous présenter, cette fois-ci, nous dirions « How are you ?» Et là, vous pourriez répondre, soit par exemple « How are you ?» également, ou alors carrément répondre à la question, après « Comment allez-vous » répondre, par exemple « Very well, and you ?» Vraiment bien, et vous? Ou encore, I'm fine, and you? Quant aux expressions hello ou hi étant une expression plus facilement utilisée par les Américains aux USA, hello, utilisé en Grande-Bretagne, qui veut dire bonjour, salut. Donc on dit hi ou hello à quelqu'un, bien entendu, que l'on connaît. Quelqu'un que l'on ne connaît pas, how do you do, how do you do. Mais on ne dit pas hi. Hello, how are you? Bah oui, how are you, on se connaît maintenant. Donc forcément, je vous dis how are you. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on dit how do you do. Et je vous réponds donc how do you do? Après cette première leçon sur la présentation, nous allons passer maintenant brièvement sur les verbes et les différences entre la conjugaison française et la conjugaison anglaise. Vous verrez que au niveau des temps, tenses en anglais, eh bien, les temps sont pratiquement les mêmes. Alors, y a-t-il vraiment une différence entre la langue française et anglaise et les conjugaisons principalement? Bah oui, il y a quelques différences, c'est normal. Mais ces différences, vous allez les rencontrer surtout dans l'utilisation du passé. Et oui, en français, lorsque nous utilisons le passé, nous parlons au passé par le biais donc de l'indicatif, en précisant du passé simple, du passé composé, de l'imparfait, du plus que parfait. Et forcément, il y a des nuances que nous allons voir avec l'anglais qui, lui, va plus s'attacher à des points de détail dans le temps, sur des actions qui se sont déroulées dans le temps, qui continuent de se dérouler actuellement, ou des actions qui ont commencé dans le temps, qui se sont arrêtées, et des nouvelles actions qui continuent de se dérouler. Et puis, il y a donc des actions bien déterminées qui se sont arrêtées et qui ont donné naissance à d'autres actions. Bref, découvrons ensemble les différences
avec le passé brièvement. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas apprendre toutes ces nuances dans cette leçon, mais petit à petit, nous allons découvrir la manière de les utiliser dans différents textes, différents exercices audiovisuels, et nous acquérerons automatiquement les mécanismes nécessaires pour être capable de lire, de comprendre, d'écrire et de converser, ce qui est d'ailleurs le plus important. Alors suivez-moi dans la leçon qui arrive. Grammar. Passons sur quelques points de grammaire avant d'aller un peu plus loin et de réaliser d'autres exercices. Les temps en français et en anglais. Le temps chronologique que nous connaissons, donc l'heure qui tourne, le temps qui s'écoule, time, time en anglais, et le temps grammatical, tense, qui représente le passé, le présent, le futur, dans toutes ses formes. Comme en français, le présent en anglais, eh bien, nous allons retrouver le présent simple, donc un temps qui se déroule un instant. Tandis que en anglais, nous pourrons avoir, selon certaines circonstances que nous allons découvrir, un présent appelé présent progressif qui va utiliser le verbe être avec une extension au verbe ing que l'on appelle la forme progressive ou continue qui va donc indiquer une action qui dure dans le temps. Dans les temps utilisés en français pour évoquer le passé, par exemple avec le verbe être, to be, vous connaissez, vous avez déjà entendu l'expression to be or not to be, that is the question, être ou ne pas être, telle est la question. Eh bien, le passé, en français, nous connaissons le passé simple, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Le passé simple, pour le verbe être en français, je fus, j'ai été pour le composé, j'étais pour l'imparfait, et j'avais été, qui cette fois-ci utilise l'auxiliaire avoir que nous connaissons bien. En anglais, le passé s'exprime sous trois formes différentes, trois temps dits grammaticaux. Tenses. Three tenses. Trois temps grammaticaux. Three tenses. Nous avons tout d'abord, il n'y a pas d'ordre particulier, le present perfect. Le present perfect est plus ou moins l'équivalent du passé composé en français qui utilise l'auxiliaire avoir, tel que nous le connaissons. Il s'agit, lorsque l'on utilise le present perfect, d'un passé révolu. Alors, on ne tient pas des circonstances, l'anglais ne tiendra pas compte des circonstances, de où, de quand, de comment ou à quelle époque telle ou telle action s'est déroulée. Un exemple, lorsqu'en français nous disons « nous avons visité Miami », nous ne précisons pas de toute façon, dans notre langue, une référence faisant à une date particulière dans cette expression. L'anglais, lui, c'est un passé révolu, va utiliser la forme de l'auxiliaire have, donc avoir, et va ajouter, car là il s'agit d'un verbe dire régulier, ed à la fin du verbe visited. Et nous aurons donc we have visited Miami. Donc nous avons visité Miami, we have visited Miami. We have visited Miami. Le present perfect peut représenter également le passé récent. Un événement qui est passé hier ou avant-hier, ou juste avant. Et là, on va employer, bien souvent, l'anglais va employer des verbes ou des expressions pour préciser l'action vécue, avec des expressions du type since, for, recently, lately, gently, récemment, pour, depuis. Alors un exemple, I can see you have recently changed your clutches. I can see you have recently changed your clutches. Je vois que tu as changé récemment tes vêtements. Donc l'anglais, lui, dans le present perfect, va tenir compte déjà de cette nuance.
l'anglais lui va aller un peu plus loin dans les nuances du passé, à savoir que lorsqu'il y a un passé vécu il y a quelques heures, exemple, j'ai joué avec lui au tennis cet après-midi, eh bien, il fera cette différence de par l'écriture avec un verbe régulier tel que to play, donc jouer. I played tennis with him this afternoon. Voilà une des premières formes de conjugaison du temps au passé, le present perfect. La deuxième forme s'appelle le prétérit. Prétérit, avec un E en français, qui est en fait un peu l'équivalent du passé simple, mais c'est un peu plus nuancé. Le prétérit est chez nous l'équivalent de l'imparfait en français, mais également du passé simple, voire du passé composé. Et là, l'anglais va couper effectivement les événements du présent par le prétérit pour utiliser et dénombrer des faits qui sont passés et qui sont bien séparés du présent. Alors on va l'employer dans une action passée, terminée, qui est datée donc par le contexte et par le narrateur, celui qui parle. La terminaison des verbes va donc dépendre de leur nature, puisque en anglais, nous allons découvrir petit à petit des verbes dits réguliers et des verbes irréguliers qui vont apporter une écriture surtout et une prononciation différente. Et l'écriture donc sera relativement importante. Un exemple d'utilisation du prétérit. Je suis arrivé à la station de bus de Londres. En français, il s'agit donc d'une phrase en passé composé. Je suis arrivé. L'anglais va donc utiliser pour le verbe régulier arriver une terminaison ED en précisant en écriture I arrived at London bus station. I arrived at London bus station. I arrive at London bus station. Enfin, pour terminer, le plus perfect, encore appelé le past perfect, qui est l'équivalent de notre plus que parfait en français. Il est employé également le plus que parfait avec l'auxiliaire to have et avec le prétérit. For example, un exemple, I had worked at home that day. I had worked at home that day. J'avais travaillé à la maison ce jour-là. I had worked at home that day. Nous voyons donc ici I had pour j'avais, qui est une forme donc équivalente au plus que parfait français. Worked, travailler, qui est donc une forme de passé composé, à la maison ce jour-là, at home that day. Dans la prochaine leçon, nous allons, en grammaire, faire la synthèse et les compléments de conjugaison en anglais, en incluant cette fois-ci les différentes formes progressives. A tout de suite. Lesson 0001.1 End of Part 1 English Lessons for Beginners.